Salut tout le monde, c'est Yanzer et aujourd'hui on se retrouve pour la suite d'une espèce sur planète que ça relance donc la partie avec ceci le générique. Nous nous étions arrêtés, c'est-à-dire la salle de torture qui sert en fait d'entrée de station du montagne russe dédiée aux trucs aux forts médiévaux. Maintenant, il faut qu'on fasse peut-être les autres salles, notamment cette salle ici. Je ne sais pas exactement quoi mettre dans ces salles-là. Donc déjà, on va rechercher le matériau qu'on avait utilisé, à savoir le gris. Car je pense en fait faire quand même une séparation de murs entre ça et ici, mais de quelle manière? Alors déjà, hop, on va mettre les paramètres des gris à notre avantage. Voilà, c'est là la question. Qu'est-ce que je vais exactement mettre? Comme salle, ici, dans ce petit espace. Parce que là, du coup, je peux pas. Ouais, je peux pas. Je suis obligé de prendre ça. Qui a du coup me faire cette petite fente dégueulasse. Et du coup ici. Ouais, ici en fait. Ouais, l'idée ce serait de cacher ça en fait. De cacher les rails. Que les visiteurs ne voient pas les rails au-dessus de leur tête. Est-ce que ça ira? Ça a l'air d'aller. Donc ça, ce serait juste un petit couloir. Ici, il faudrait juste qu'on réfléchisse qu'est-ce qu'on va mettre comme truc. Déjà, on va mettre le plancher. Plancher en bois, si possible. Alors, bois comme ça ou sinon j'utilise ce plancher-là. J'essaie de les faire. Ouais, ce plancher-là, hein. Ce plancher-là. Hop, on enlève l'alignement à la surface. Ça sera plus facile à poser. Et histoire de... Voilà. On va prendre ce plancher-là. Et on va prendre l'astuce de tous les prendre. Voilà, il a pris. Copier. Non, il l'a pas pris. Pourquoi il l'a pas pris? Il ne l'a pas pris. Il veut pas le prendre ici. Pourquoi? Là, il veut le prendre. Tac, tac, tac. Voilà. Ah, et là, du coup, peut-être faire un copier. Coller vers là-bas. Voilà. Faudrait que je vois après en dehors construction ce que ça rend aussi. Parce que là, la grille m'empêche de bien voir à quoi ça ressemble. C'est moi ou j'ai un visiteur qui a disparu? Eh oui, je crois qu'il y a un visiteur qui a disparu au moment où j'ai... Ou alors c'est moi qui hallucine. C'est peut-être moi qui hallucine. C'est peut-être moi qui hallucine. Voilà. Ici pour économiser de la thune.
seulement en prendre 2. Attends. Ouais, bien sûr, prends-en 4, il n'y a pas de souci. Non, il n'y a pas de souci à en prendre 4. Effectivement. Effectivement, il n'y a pas de souci à en prendre 4. Mais non, mais pas... Non! Je veux juste les planches là. Ah, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il me fait? Bordel. Il me fait faire n'importe quoi. Mais non! Mais... Mettons en bâtiment. Je vais pas te demander à ce que tu sépares du... Voilà. Et est-ce que ici on mettrait pas des faux murs ici? Est-ce qu'on y arrivera déjà? Peut-être avec l'aide de poutre. Avec l'aide de poutre ici pour cacher, cacher ça. Non, 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 non. Attends, attends. Aligner la surface. Tac. Voilà. Cacher ça quand même. Voilà. Parfait. Ça, juste au niveau des escaliers, parce qu'après on va remettre un plancher par-dessus. Et là aussi, du coup, pour bien cacher. On va mettre ça. Juste pour donner vraiment la sensation qu'il y a effectivement bel et bien un étage... dans ce château. D'ailleurs, on le voit pas de côté extérieur. Non, on le voit pas de côté extérieur. Très bien. C'est parfait comme ça. Donc, dans cette salle, je pense qu'on va mettre une carrosse. C'est si on en trouve. Est-ce qu'on a une carrosse On n'a pas de carrosse. On n'a pas de carrosse. Voilà qui est problématique. Vous êtes sûr que si je vais pas dans, par exemple, Conte de Fées, je n'ai pas une carrosse. On a ça. On a ça à la rigueur. Mais on n'a pas de carrosse. On n'a pas de salle de trône non plus. Une tour d'horloge à la rigueur. Ouais, on a rien, hein. En conte de fées, on a rien. À part ça, peut-être. Ouais, ça va être la salle d'entraînement. Non, même pas. Peut-être pas la salle d'entraînement. Tu vois, lui, il tire, n'est-ce pas? Ouais, lui, il tire. Sa flèche va quand même quelque part. Ou il tire une fausse flèche. Ouais, il tire une fausse flèche. Il tire une fausse flèche. Sinon, on va faire ça. On va mettre ça. On va mettre ça devant. Et ça, c'est quoi? Attends, j'ai pas vu. Et il empêche le... Il empêche le passage, d'accord.
Donc ouais, on n'a pas moyen de créer une carrosse, sauf si je tente d'en fabriquer une par moi-même, en basant sur ça. Mais genre une carrosse de prisonnier plutôt. C'est-à-dire, t'as ce côté-là. Et est-ce que t'as pas un truc genre... Ouais, on va faire ça. On va dire que en fait, le scénario, c'est qu'on s'est fait emprisonner et on doit être torturé. Et à la suite de notre torture, on devient fou. Et c'est le rail du coaster qui donne notre folie, en fait. Donc ça va être ça l'idée. Ah mais si, il y a une salle de trône. Du coup, peut-être mettre des trucs effrayants. Genre, ils sont à l'extérieur. On va imaginer qu'il y a une forêt ici. Voilà, on va imaginer qu'il y avait une forêt. Et du coup, on va reprendre du coup cette calèche. On va le mettre quand même en noir, du coup. Là, en noir. Là, du coup des barres. On peut pas changer la couleur. On peut pas changer la couleur. On peut pas changer la couleur. On peut changer la couleur de ça à la rigueur. Mais le problème de celui-là. Le problème c'est que du coup on a du mal à savoir que c'est une cache. Calèche de prison, quoi. Voilà. On va prendre par contre des éléments qui viennent d'un pack de contenu pour faire le toit. Je demande. Alors, fais voir ce truc à l'envers. Si je prends ça. Tac. Comme ceci. Hop. Ouais. Ouais, ça fait trop. Peut-être prendre ça au final. Hop. Prendre ça. Comme ceci. Comme ceci. Comme ceci. Voilà. Reprendre. On va essayer quand même de reprendre si on veut les barrières. On peut pas. Ah, ça va être dur. Sinon, on peut reprendre à partir d'ici. Hop. Copier. Hop. Coller. Comme ça. C'est vraiment pour symboliser que c'est un chariot de prison. On va y mettre des squelettes à l'intérieur. On va mettre aussi un effet de brume. Pourquoi pas? Pas un effet de brume aussi.
Voilà, maintenant on va prendre des squelettes. Donc, squelette, avec notamment des trucs comme ça qui bougent, j'imagine. Bah, des trucs qui bougent. Peut-être même des trucs inamovibles. Des bras qui en ressort aussi, pourquoi pas. Quoique non, j'ai une autre idée. J'ai une autre idée. On va prendre déjà une forme de rectangle noir. Enfin, qu'on ne voit pas le contenu à l'intérieur de cette carrosse. Comme ça, voilà. Et après, on met des bras de squelette, en fait. Voilà, des bras de squelette. Parce qu'on ne voit pas du tout ce qu'il y a dedans, mais on peut deviner que c'est plein de squelettes. Voilà, comme celui-ci par exemple. Voilà, hein, comme ça. Lui, il bouge pas, on est d'accord. Lui, il bouge pas. On peut le mettre ici, à l'intérieur, comme ça. Voilà. Et c'est dommage, on a que deux types de bras amovibles. Tiens, on pourrait même faire un truc. Lui, il est écrasé par le chariot. Non, même pas. Non, 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 non. On va laisser comme ça. Et ouais, ben, du coup, on va faire que avec ces bras-là, quoi. C'est juste ça qui est dommage. C'est juste ça qui est dommage. C'est juste ça qui est dommage. Mais bon, faire avec. On va faire avec. Je pense qu'il y a assez de bras là, non? Derrière aussi. Mettre des bras. Voilà. Parfois quelques petits crânes aussi qui regardent les visiteurs. Y a un truc comme ça. Et on mettra aussi dedans. Pourquoi pas quelques petites lampes murales. Tout type d'ailleurs, il y a quoi comme type conte de fées en lampe murale? De type comme ceci. Fais voir. Ah, pourquoi pas? Comme ceci, voilà. Vraiment faire style, c'est bien un chariot.
Non. Ah. Bon, le cube dépasse ici, mais c'est pas grave parce que les visiteurs, quand ils entrent, ils ne verront pas. Oh putain, ils verront quand même un petit peu. Ouais, on va faire avec. On va faire avec. Voilà. Ensuite. Comme ceci et comme ceci. Ce qui laisse quand même un magnifique chariot. Est-ce qu'on mettrait pas un peu d'herbe aussi au sol? On n'a pas de truc d'herbe, peut-être de la mousse. Comme celui-ci par exemple. Peut-être la mousse, voilà. Voilà. Faire vraiment style. On est dans un endroit bien lugubre. Et donc du coup forcément avec une nature complètement morte. Côté des arbres, on va peut-être mettre des arbres aussi. Genre des petites racines comme ça, par-ci, par-là. Ici, qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme décoration? On a peut-être des arcs un petit peu sympas. Oh non, ça c'est hispanique. Non. On n'a pas genre un animatronique peut-être. Un sort de. Ah, c'est peut-être dans les décorations murales. Exactement. Une herse. Et du coup, si j'ai une herse, c'est que je dois avoir quelque chose pour recouvrir la herse, non? Changer ça. Attends, je vais tous regarder en fait. Peut-être que j'ai loupé un truc. Non, j'ai juste la herse comme ça. Ok. Et plutôt que de prendre ça ici, là, vous pourriez pas prendre plutôt un autre mur? Attendez voir. Attends, t'es voir. Matériaux de construction. Je cherche le gris. Et en fait, j'aurais dû prendre. Dû prendre ça en fait. J'aurais dû prendre ça, le mettre ici. Ce qui fait que ici. Putain, je l'ai paumé, il est là. Ici, je le mettrai là. Ah ouais. Ah mais le problème, c'est que voilà, ça se croise comme ça. Je vais peut-être mettre un truc par le dessus pour cacher ça. Et c'est là où on va mettre comme décoration murale notre herse. Attendez voir. Conte de fées. Parmi toutes les décorations qu'on a. Il y a ça. Ah, ça c'est un panneau. Trop bien. Trop bien, mais. Mais. C'est pas ce que je recherche. On a ça. Non. Je cherche ma herse. Ma herse, elle était dans l'environnement, c'est ça? Thème, conte de fées.
Ah bah il était là, voilà ce que je cherchais. Truc comme ça. Du coup, tout le temps ouvert. Le problème, c'est qu'il est vachement gigantesque. Faudrait peut-être le laisser ici, en fait. Et du coup, il faudrait... Ouais. Il faudrait... Ouais, c'est vachement grand. Fais voir tout ce qu'on a. Non, non, et du coup, ce que je voulais chercher, il était bel et bien dans bâtiment. Mais il est où? Ah, il était là. Alors, pas d'animaux à la surface. Comme ça, hop. Voilà. Comme ceci. Et vraiment, faire style. Oui. Vous entrez à l'intérieur du château. Tout simplement. Donc. Du coup, c'est pas mal. Alors peut-être mettre en fond, peut-être quelque chose où il fait une nuit noire. Et ici, peut-être une colonne pour indiquer qu'on a l'impression d'être effectivement dans l'entrée d'un château. Qu'est-ce qu'on peut prendre comme colonne qui fasse vraiment penser à entrée de château? Peut-être pas ça. Peut-être un truc en bois, du coup. Truc en bois. Il a l'air de me proposer le truc en bois plutôt. Ouais. Ouais, on est plutôt pour le truc en bois. Du coup, on va le faire comme ceci. Voilà. De toute façon, il y aura un plafond. Pour indiquer que voilà, et ce que j'avais pensé, c'était un truc nuit. Alors, c'était pas là-dedans, je crois que c'était là-dedans. Non, c'était pas ça. C'était dans quoi? C'était dans le thème futuriste, je crois. Il y a normalement un truc, voilà, les plaques stellaires qu'on peut mettre du coup. Pour imaginer que qu'on est en pleine nuit. Voilà, donc on va recouvrir ça de plaques stellaires un petit peu partout. Comme ça fait un effet nuit. Partir de cette hauteur, parce que c'est à partir de cette hauteur que... Voilà. Comme ceci. Comme ceci. Voilà. Est-ce que ça dépasse un petit peu? Là, ça dépasse pas. Et là, c'est bon. Voilà. Et de l'autre côté, c'est la raison pour laquelle j'ai mis une poutre. C'est vraiment symbolisé le fait qu'on soit dans un château fort. Voilà. Voilà. Et voilà. Alors, est-ce qu'on va le faire ici aussi? Ça va être un peu compliqué de le faire sur ce mur. Mais écoute, moi je dis, pourquoi pas? De toute façon, on va le faire seulement à la hauteur. On va foutre un plafond. On va pas mettre tout le mur. Voilà, donc ici. 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 Ici, ici, ici,
Là. Là. Et ici, par contre, ça va être assez compliqué. Parce qu'il y a une arche. Sauf si on tente un truc. Comme ceci. Et là, par contre, c'est là que ça va être un petit peu galère. Donc, ce qu'on va faire, hop, on va lever ça. Et on va le faire un petit peu petit à petit comme ceci. Je sais pas ce que vous en pensez. Voilà. Comme ceci. Voilà, comme ceci. Vraiment faire style, voilà, ils sont en pleine nuit. Voilà. Et quand on mettra le plafond, ils ont l'impression qu'ils sont à l'extérieur, alors qu'en fait, ils sont à l'intérieur. Ici, il faudrait peut-être qu'on mette aussi quelque chose. Je pensais notamment à des lanternes. Dans un thème conte de fées. Et plus précisément, des torches comme ceci. Torches seulement de ce côté-ci, du coup. Et sur le dessus. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Un bouclier peut-être? Genre un grand bouclier? Peut-être un truc comme ça. Hein. Ah ça par contre ça se met pas, d'accord, ça se met pas sur contre les murs, mais est-ce qu'on pourrait quand même? Ou pas du tout? Non, hein. Pourrait pas. Mais on peut mettre ça. Mais est-ce qu'on peut changer sa couleur? On peut pas changer la couleur. Ça c'est embêtant, ça. Parce que j'aimerais bien mettre des couleurs vraiment en dark. Vraiment qu'on soit vraiment dans une sorte de dark fantasy. Mais non. Non, on ne pourra pas. Donc, tant pis. Tant pis, c'est dommage. Mais on fera avec. Canine à la surface, on va l'enlever. On va mettre ça ici. Ah non, on peut vraiment pas changer de couleur. On peut vraiment pas changer la couleur. Bon, écoutez, je pense que je vais arrêter ici pour cet épisode. En tout cas, si cet épisode vous a plu, ben, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à la commenter, à la partager à vos potos. Et si vous êtes intéressé par d'autres de mes vidéos, voire même la suite de ce let's play, n'hésitez pas à vous abonner et à enclencher la cloche de notification. C'était Yann STR, je vous dis donc à bientôt pour de nouvelles vidéos sur Bande de PGM.